Bah là, tu sais, il y a. Ce week-end, je suis descendu chez Flo. Tu sais, j'y suis allé en BlaBlaCar quand je fais d'habitude là-bas. Tu m'entends ou pas? Tu m'entends là? Oui, je t'entends, ouais. Donc, je suis descendu en BlaBlaCar, nickel. Et pour le retour, je cherchais un trajet. Il y avait un qui était parfait. Il partait le lundi matin et tout. Vu que je travaillais le lundi après, c'était nickel. Ouais. Et je lui envoie un message. Et j'attends pendant, je sais pas, peut-être une dizaine d'heures, rien. Je trouve le téléphone toujours pas vu le message, mais elle répond pas. Ouais. Et 24 heures après, j'ai envoyé le message. Je fais, vas-y, c'est bon, sa mère, elle répondra jamais. Le dimanche matin, là. Mais si, j'avais trop le seum, parce que ouais, j'étais parfait. Du coup, ça m'obligeait à partir le dimanche soir au lieu du lundi matin. Ça me cassait grave les couilles. Ouais. Et du coup, je réponds pas. Je vais te faire enculer, sale pute, crève en enfer ou quoi. Et après, j'ai oublié. Parce que je me lève, en fait, non, c'est ça, je me lève et je vois qu'il n'y avait plus de réservation parce que son trajet était rempli. Donc je pouvais plus remplir, en gros. Ouais. Elle avait fait exprès d'ignorer mes messages. Et ça m'avait mis de l'aimant. Et du coup, je l'ai insulté, sale pute, tout nique tes grands morts, sale, tu crèves. Et elle répond pas aux messages, pas plus qu'aux autres. Et je vois dans l'après-midi, son trajet, il a un nouveau disponible, il y a une place qui s'est libérée. Du coup. J'ai supprimé mon compte, je suis passé par le compte de Flo pour réserver. Mais du coup c'était au nom de Florian et c'est ma gueule, c'est ma photo de profil sur Facebook, sur BlaBlaCar. Donc tu vois bien que c'est Flo et que c'est pas moi, que je ressens pas à mon frère si tu veux. Et du coup j'ai passé tout le voyage avec une casquette enfoncée jusqu'aux yeux, il y a un masque parce que j'avais dit que j'allais voir ma grand-mère. Dépêchez-vous de rejoindre la zone de sécurité. Oh, je l'ai récupéré hein. En pleine nuit. Ouais. Vu qu'il y avait une guitare, t'avais dit fais gaffe, j'avais pas peur d'y aller, t'inquiète. T'as rentré pas. Avec le pied, j'avais foncé dessus. Et là, ils ont eu coulé les en morceaux. Ça fait KING! Oh putain, y'a pas eu, y'a un mec en face de moi là. Merde. Oh là là. Oh là là, non, mais c'est le musée des horreurs! Ah oh, je l'ai niqué. Oh. Je l'ai fumé en étant dans un buisson, la balayeuse. Comme ça, il me voyait pas d'où ça tirait. Y'a un mec là, putain! Il est où? Mais putain, mais niquez vos mères! Wow. Je ramasse tout ce que je trouve. Le mec, il me regarde là? Oh, ça voilà, sert à rien. J'ai que 4 balles, t'as des balles de pompe? Ah ouais, mais j'ai plus de vie! C'est bon. Allez! Oh bah attends, mais il a dit que je suis en voiture! Oh la, mais carnage! Merde, non, c'est bien.